les ennemis. J'étais prêt, moi aussi. Un wolver! C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. En tout cas, oui. Un très très grand burin. Ce cristal sur l'anneau du géant semble prometteur. C'est scellé avec de la magie, je le crains. Zut, on dirait que ça a rien fait du tout. Frère, on dirait que ce cristal a retrouvé sa force. Bien joué, petit. Merci, c'est son idée. Qu'est-il arrivé aux survivants? Ah, Samur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Quelque chose pour entrer. Suis-moi, Atreus. Je te suis. Ah!
Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. Des ennemis. J'attends tes ordres. Come on!
Lila. Oui, père. Par ses dons de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui. On raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici. Voilà le socle du cristal qu'on m'a vu. Mais comment faire pour qu'il descende? Hé, de la sève durcie de l'arbre monde, ça tombe bien.
Atreus, suis-moi. Désolé, pensez à autre chose. Peut-être qu'on peut aller par là. Comment on descend ? J'ai un plan. C'est vrai ? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus ! Je suis prêt. Let's go.
impressionnant, ce... ce combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça... C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas s'être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Et voilà. Bon, ce plan que tu as... Tu l'as deviné. Te connaissant, il doit pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer? Sa mère aimait vraiment les bijoux, apparemment. Il en avait même dans sa barbe. Pour ma part, je trouve qu'il a de l'allure. Enfin, pour un cadavre couvert de neige. Juste là! Il y a quelque chose là-bas. Est-ce qu'on va entrer dans ce bâtiment? Oui. Tu crois qu'on trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à atteindre la pointe du burin? Non. Je continue à chercher. Tiens-toi prêt, mon garçon! Mes flèches! Roule vers l'eau!
Mimir, tu connaissais cet endroit? Avant? Oui, j'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre, tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Vous venez faire les géants au milieu d'une guerre entre les dieux? Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor.
notre cristal. T'as qu'un mot à dire. Roule par l'eau. On y est presque. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment ?